4 buts à 1. Marc Brice, c'est le meilleur entraîneur du monde. Je refuse de croire que c'est Samuel Eto'o qui était le problème de cette équipe. Maintenant, on sait où on part avec ce genre de coach. J'avais dit aux Camerounais que s'ils veulent encore voir leur football évoluer, qu'ils demandent à Samuel Eto'o de démissionner. Je suis Eto'o Mouton. Je te redis encore, Eto'o reste le meilleur. 4 buts à 1, victoire du Cameroun contre le Cap-Vert. Un score qui va maintenant légitimer le bruit de Marc Brice. Un score qui va permettre aux Camerounais d'oublier, pas de pardonner, d'oublier un peu le manque de respect de Marc Brice envers la légende footballistique Samuel Eto'o. Marc Brice, félicitations à toi. Tu viens de Brice. Maintenant, on te félicite énormément pour ce que tu viens de faire avec l'équipe du Cameroun. Tu nous as montré que tu as 28 ans d'expérience en tant qu'entraîneur. Même si tu n'as jamais gagné un trophée quelque part, même si on te paye tout. Il vient ramasser des millions ici. Il dit qu'il est belge. Il prend tous nos meilleurs joueurs. Il met au stade. Hein? Ce genre de coach qui comprend les sentiments de 30 millions de Camerounais. Il prend tous nos meilleurs joueurs. Il met au stade. C'est un bon coach. Marc Brice, c'est un bon coach. Qu'il reste, n'est-ce pas? Qui reste. Le Cameroun a prouvé une fois de plus qu'il a la meilleure équipe du monde. Que vous avez déjà un jour entendu qu'on a organisé quelque chose simplement au Cameroun, ça a marché. Non, il faut toujours la bagarre, il faut toujours Netflix. C'est même pas Netflix, ça c'est Cameroun Flix. J'espère que vous voyez bien cette image que j'ai mis là, les amis. C'est l'image de Lyon Indomptable. Ils étaient tellement tristes avec Samuel Eto'o. Tu as été un grand footballeur, mais tu as détruit l'équipe du Cameroun, frère. Donc, pour une fois qu'il est mis de côté, il est mis à l'écart. Bim! Zambouangui, ça commence à jouer le ballon de sa vie. Coucou, coucou, coucou. Ça, c'est la chorale Senghibou. Ils vont passer toute la nuit à chanter. On parle que de Samuel Eto'o, pourtant il a démissionné depuis. Il y a des stars encore dans l'équipe du Cameroun, mais on ne les connaît pas parce que Samuel Eto'o envahit tout. Donc vous me dites que Samuel Eto'o, c'est lui qui a vraiment gâté cette équipe. Et là maintenant, je ne sais pas comment les églisiens vont faire le tout si. Parce que les hiboux viennent de marquer un but. La deuxième personnalité le plus puissant au pays. Dans le monde même. Bon, et toi l'appelais, est-ce qu'il n'est pas venu? Il est venu, non? Il est lui son propre conseiller, le président de la fédération, le coach, le sélectionneur, le manager, le préparateur physique. Samuel Eto'o est tout. Il a contesté Marc Brice, le Belge, au point où ses fans ont traité le vieux de la brocante. Donc Marc Brice, la brocante belge, le tout, il nous a été très très utile. Si Eto'o est président, qu'il soit président dans son ensemble et qu'il prenne des décisions suivant son institution. Même si tu es églisien, d'accord qu'il mérite, non? Marc Brice Chou ou alors Brice Chouchou. Et on continue d'observer les choses. La bataille maintenant entre églisien et hibou va se poursuivre loin de Marc Brice. Vision Pro. Vision Pro. Bienvenue au studio photo Vision Pro. Vision Pro. Le studio photo Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ngousso, avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro vous propose des services tels que reportage vidéo et photo des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire, conférence, séminaire, obsèques et funérailles, et bien d'autres événements, peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Vision Pro, tu restes meilleur. Le traitement des vieilles photos, l'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie, conception des banderoles, des affiches publicitaires, tous travaux sur 2D et 3D. Et 3D. Sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaire, annonce, embellissement de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro dispose de techniciens qualifiés avec des appareils de l'heure, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville de Yaoundé, au quartier Ngousso, en face de la station Total. En allant vers la chapelle, numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28. Le studio Vision Pro, les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel.